Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce 17 décembre pour la 17e vidéo du calendrier de l'avent d'Irinvette. Et oui, ce n'est pas le moment de perdre la cadence et on continue avec une vidéo par jour jusqu'à Noël pour parler ensemble des signes d'apaisement chez les chiens. Allez, voyons tout de suite le signal du jour. Alors le signal du jour est ce que les Anglo-Saxons appellent well-eye ou œil de baleine. Il s'agit du fait de voir le blanc de l'œil du chien sur un côté ou de l'autre comme un petit croissant de lune. Normalement, le blanc de l'œil, qu'on appelle la sclère, n'est pas visible. On ne voit que l'iris qui est coloré. Mais quand le chien est dans une position bien précise, un petit croissant blanc de sclère peut apparaître. Alors, c'est en général quand le chien a la tête tournée vers un côté et qu'il va regarder quelque chose avec ses yeux de l'autre côté. On pourrait parler en fait un peu de regard en coin. thurid Drugas ne cite pas ce signal dans son livre. Toutefois, on trouve ce signal dans beaucoup de listes sur les signaux d'apaisement, car les chiens qui font ce fameux well eye sont souvent dans une situation qui leur est inconfortable. Allez, c'est parti pour quelques exemples en vidéo. Donc, premier exemple en fait avec un chien qui est normal. On ne voit pas sa sclère, on ne voit pas l'œil de baleine, on voit juste la partie colorée de l'iris un petit peu orange et la pupille plus foncée au milieu. Donc là, un chien qui est euh, caressé euh, par un véto, léchage de truffes, et puis de temps en temps, on va voir hein, là par exemple, la sclère qui apparaît, donc ce blanc de l'œil, qui apparaît comme un croissant de lune sur le côté de l'œil et qui traduit une situation inconfortable. Deuxième chien, pareil, top arrêt sur image. On voyait bien, ça se claire. Donc lui, il n'a pas forcément l'air très à l'aise. Il a les oreilles très en arrière, très plaquées. Autre chien qu'on avait vu dans la vidéo sur les léchages de truffes, euh, qui a été affublé d'une cravate et mis dans un bureau. Donc c'est très inconfortable comme situation pour lui. C'est pour ça qu'il multiplie les léchages de truffes. Et là, on voit l'asclair donc euh, encore un œil de baleine encore un well eye autre chien voilà pareil léchage de truffe et on voit le blanc de l'œil donc cet œil de baleine qui traduit son inconfort qui est un deuxième signe d'inconfort et de nouveau l'échage de truffe. et encore un léchage de truffe donc vraiment un, un chien qui se demande ce qu'il fait là avec un œil papillon <laughs> voilà nous arrivons à la fin de cette dix-septième vidéo du calendrier de l'Avent direct N'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous êtes intéressé par l'éducation bienveillante, je vous propose de vous inscrire gratuitement à la formation que j'ai créée, Éducation bienveillante starter, qui vous permettra de faire vos premiers pas avec les techniques bienveillantes, on dit aussi les techniques positives. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur la page https://formation.direct-vet.fr slash inscription. Je vous remets le lien juste en dessous. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain 18 décembre pour la 18e case du calendrier de l'Avent Direct Vête. En attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao